Et salut à tous, c'est Iker, on est parti sur Jaguar Pulse et on va tester Drogoz, le dragon pas content. Non, je sais même pas si c'est un dragon, mais c'est un perso intéressant. D'ailleurs, il faudra que je lise les lores de Paladin, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. J'avais lu les lores de tous les persos que je connaissais avant, quand j'avais commencé la bêta, du style Pip, du style Grok, du style voilà, Puck, Fernando, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que depuis, ça faisait 6 mois que j'avais pas joué au jeu, il y a quand même beaucoup de persos qui sont sortis. Drogoz, c'est un perso intéressant, qui est un rocket launcher, bien évidemment, qui a donc un jetpack, et qui fait pas mal de dégâts avec ses roquettes. Il a un ulti qui permet de taper au corps à corps et d'essayer de one-shot une unité, donc un héros adverse, donc c'est plutôt pas mal, un champion, comme on dit dans le jeu, comme dans LoL. On va prendre le truc qui me permet de péter les shields. Il y a un baril, donc on peut péter quelques shields. On a un Bomb King, donc il faudra faire attention aux bombes. Bomb King, il galère un petit peu à aller nous chercher, mais il faut arriver à rester en l'air longtemps. Pour le moment, j'ai pas encore trouvé de super truc OP pour pouvoir rester en l'air longtemps. Mais voilà. C'est parti. Et boum! On va essayer de taper le Bomb King. Attention, Bomb King. On a un flanqueur encore, lui. On n'arrive pas à toucher. C'est chaud. Je vais venir me chercher. Oh, j'arrive pas à le trouver. Je sais pas du tout où il s'est foutu. Il est mort. Il a été tué par notre Kinesa. Bien joué. On essaye de péter le shield. Essaye de mettre des dégâts. Allez, il faut essayer de reprendre le push. C'est bien, bien joué Snacking qui prend les kills là. On a une Ivy en face. Bon, le perso, un chase up du jeu. Allez, quand même l'eau. Ah, j'arrive pas. Boum. Ça c'était sympa. Boum. Boum. Ah merde. On va activer, on va recharger. On active le Q. On saute. On a personne. On a personne. Boum. On décolle. J'essaie de faire mal à la Ivy. J'ai pas réussi à la tuer. Dommage. Essayer de le toucher lui. Pas de le laisser respirer. Je pense qu'il a vraiment décalé beaucoup. On a 83% d'ult, donc on est encore loin de pouvoir le lancer. Faut essayer d'aller chercher le rocus là. Dommage. Ok, donc on avait l'IV ici. Oh, ça flanque dur là. Oh lolo, on a pris très très cher. Pas facile, va falloir que j'ulti. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut one shot dans cette compo adverse. 98%, on revient. On revient. Ah, un Druxus qui va chercher les gens. Il a raison, hein, c'est une bonne stratégie d'ailleurs. Avec son triple dash et toutes ces conneries. Hein. Il est low. Il a régène, je sais pas trop comment il a régène, mais il a régène. Très clairement, ce perso, il est skillé. Hein. Un Druxus, il est vraiment fun à jouer. Petit peu dash en l'air. Il est relou. Quoi. Bon, Drogoz, il est vraiment relou. Merde, j'aurais pas dû tomber de ma monture. Bon, après, faut se dire que si le mec est bon et que vous êtes mauvais, s'il est en train de taper que vous. C'est que ça fait gagner votre partie en fait, hein, voilà. Donc ça fait gagner un peu la partie, on n'a pas fait de DPS, mais résultat on gagne quand même la partie, donc ça c'est plutôt cool. Plutôt cool, plutôt cool. Allez, on revient, on achète des cartes, on prend le truc qui permet toujours de péter les shields. On a l'outil, on a l'outil. On a l'outil, V, général. Je sais pas trop comment on dit que l'ulti est ready, mais bon. Est-ce que ça se voit?
Ça se voit pas quand on appuie sur le tab, on est d'accord. Ça se voit pas. Je go sur le point, moi je suis prêt aussi. Ulti. On va commencer, on va balancer une petite bombarde là. C'est parti. Boum. On a fait mal au... On a encore lui qui flanque. Ah mais lui il fait que d'essayer de me tuer quoi. Passe sa vie à me DPS. On revient. On revient. Allez, on rush. Allez. Voilà, on a fait des kills, mais c'est tout. J'aurais dû le balancer un petit peu plus tôt, mais. Bon, dommage, c'est pas passé. Le 2-0 là, on peut peut-être encore s'en sortir. L'Androxys qui est encore derrière, tu le sens. Sans que le mec passe sa vie derrière. Bon, c'est bon, il sert à rien à part me taper dessus, donc c'est cool. Ah, dommage. Ah, lui, mon dieu. On n'arrive pas à tuer, on va passer de balle. L'Androxus c'est quelque chose, hein. Le mec s'est bien joué son perso. Il est pas à 3 games comme moi depuis, depuis 3 ans. Depuis 2 ans. Ouais c'est chaud. Il est fort le mec. Il joue bien. Bon il s'est pas super bien visé mais par contre il connaît bien la map et il connaît bien son perso. Et on y va. On kiffe ça. Mais des dégâts, mais. Save de push. C'est quand même assez low là. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de lancer mon truc et mon. Ma bave et ma roquette dedans. Défense fail de partout. Oh, c'est serré. Allez, Andro fait ce qu'il veut. C'est sûr, c'est il a l'air super fort le mec, hein. C'est pas mon level. Donc c'est pas facile de le tuer avec un perso pareil. J'aurais Sky encore. Je pourrais peut-être faire quelque chose, mais alors là. On a le Shin, on a Kill to Heal. On va prendre ça. Ah non, c'est ça. Réactive niveau 1 from other player. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Alors on a du soin, mais il est pas facile à placer. Allez, on est parti. Hop. On essaye de péter le shield, essayer d'envoyer des dégâts. Et il y a des gens donc juste derrière nous. Et Ivy en plus. Boum, on a mis pas mal de dégâts là. Boum, on a mis beaucoup de dégâts. Restez là. On va rester là pendant un moment. Bien joué. Bon, notre move a été pas trop mal. Allez, on peut tuer la Ying là. Je les porte partout, on sait pas trop où aller. Oh, il est où? Ah, c'est lui qui m'a tué. Putain, le level de spec quoi. Qu'est-ce qu'il fout dans votre game? Ah oui, il a l'air au-dessus de tout le monde en termes de level. C'est assez rigolo. On revient. Hop. Boum. On met pas mal de dégâts. On essaie de péter le wall déjà.
C'est bien, bien joué. On réussit encore à bien enchaîner. On va se foutre là, nous. C'est bien, bien joué, les gars. Ça, c'est beau, c'est ce qu'on veut voir. On sait pas où est. Oh, il a pas eu le temps. Il a pas eu le temps de DPS, c'est pas mal. Allez, on va voler. On réactive notre Q. On est rechargé. On est à 3 sur 6, pourquoi? Salut! T'es pas relou comme joueur, pas du tout. T'es pas trop fort. On est vraiment dans une game balance. Boum! Et boum! Le Baric, il est mort. On peut peut-être gagner. Il faut gérer le Bomb King. Boum! Le Bomb King est géré. On recharge. On active notre Q. Ah, il nous a défoncé. J'espère que ça push. Il y a moyen qu'on gagne. On tue l'Androxus et on a gagné, je pense. Oui. On repart. Dans la game. Allez, les gars, le push. On peut le faire, on peut y arriver. Ça joue à rien. Vous avez pris le kill sur la healer. Sur le healer. Androxus est mort. Oh, c'est gagné. Ouais, c'est gagné. Boum. GG. Victory. Bon, c'était pas trop mal, Drogoz. On a du mal à dueler un Androxus. Ça a une bonne mobilité. Et puis, c'est pas facile à aller chez Ocus avec un perso qui a des roquettes. Mais globalement, c'est pas mal. Deuxième game avec Drogoz. Je trouve qu'on s'en sort bien. Kalen80 qui finit avec le move de la game avec son Baric. Ok. Ah, il y a la bombe de banking. Attention. Le contrôle, hop, et on termine la game là-dessus. GG, ben, c'est comme ça qu'on gagne. GG en tout cas, sympa. Je sais pas combien de dégâts on a fait, je pense que c'est pas trop mal. Oui, 44k, on est premier de la game, mais bon, à mon avis, on peut faire plus. 13-8, on est loin d'avoir énormément de kills. Snacking a fait le café à 25 éliminations. Des solo kills 4, nous 2. En face, 23 kills pour lui, 7 morts. Donc, ouais, il est au-dessus un petit peu. Il a 86k de DPS. Comparé à quand même la Ivy qui flanque aussi, qui a une bonne flanqueuse également, elle a 60k, enfin bientôt 60k. C'était pas mal, voilà. Perso intéressant, qui faut à mon avis jouer beaucoup pour maîtriser, parce qu'il y a des petites subtilités à avoir. Le jetpack, j'utilise pas encore parfaitement, Babar Espace. Les combos, on les a à peu près compris. C'est vrai que c'est pas mal de rusher avec l'ulti et ensuite de faire le clic droit et tirer dedans. C'est assez intéressant. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo sur YouTube. N'oubliez pas le pouce positif, à me dire en commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez que je continue les vidéos paladins. Et on se retrouve plus tard. Ciao, bonne journée à vous.